En fait, vous vous posez peut-être cette question, qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui solidifie, qu'est-ce qui consolide cette croyance chez le chrétien que Dieu existe? Et je trouve que commencer par cette thématique d'un point de vue biblique avec vous sur l'existence de Dieu est non seulement important, mais intéressant, je dirais motivant, passionnant, parce que, au fond, l'existence de Dieu, cette question, c'est le fondement, c'est le point, c'est l'ancrage de toute la foi chrétienne, de tout ce qu'on appelle dans notre jargon la croissance spirituelle. Si on croit que Dieu existe, on peut commencer un chemin spirituel. Si on ne croit pas que Dieu existe, dans le christianisme, c'est difficile de commencer quelque chose, c'est même impossible, c'est inconcevable. Et face à cette question, Dieu existe-t-il? Au fond, on peut être d'accord. Deux réponses sont possibles. La première, où Dieu n'existe pas, alors Dieu reste la plus grande des inventions de la pensée humaine, la plus grande des illusions, qui tente de combler un vide, un manque intérieur, qui tente de nourrir des espérances face à la mort, face au désespoir, face à la maladie, face à tout ce qui nous renvoie à l'existence, aux questions existentielles. Ou alors Dieu existe. Mais alors si Dieu existe, d'autres questions viendront, d'autres questions doivent suivre. Mais si Dieu existe, qui est-il? Que fait-il? Comment communiquer avec Dieu? Comment entrer en relation avec Dieu? Mais alors si Dieu existe, le sens et l'objectif de notre vie prend une toute autre tournure. Ben non, c'est évident qu'on ne peut pas prouver de manière totalement rationnelle que Dieu existe. Mais d'un autre côté, on ne peut pas prouver non plus de manière totalement rationnelle que Dieu n'existe pas. Donc, croire en Dieu et marcher dans ce chemin de foi ne doit pas, en tout cas, s'appuyer uniquement sur le terrain du rationnel. Même si nous y viendrons après, on s'appuie aussi sur le rationnel. Mais ça ne peut être que le seul terrain, le seul facteur pour rechercher l'existence de Dieu. À ce sujet, un jour, mon fils m'avait posé une question, m'a dit: Papa, comment je peux parler de Dieu? Comment je peux présenter Dieu à un copain, puisque moi, je ne peux pas le voir, et il ne peut pas le voir non plus. Et j'étais un peu embarrassé à l'âge de 8 ans, votre enfant vous pose cette question. Et puis, je n'ai rien inventé, inspiré des écrits bibliques. J'ai repensé à cette image, je lui dis: Tu sais, le vent, on ne peut pas l'attraper. Le vent, on ne peut pas le prendre en main, on ne peut pas le toucher. Le vent, on ne peut pas le voir. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Dieu, on ne peut pas le prendre en main, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Et pourtant, comme le vent, il existe. Le vent, quand il souffle, on peut ressentir non seulement sa présence, mais on peut voir aussi les effets de son action. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Quand Dieu est présent dans une vie, lorsqu'il se met à souffler sur la vie d'une personne, on peut commencer à voir des choses qui bougent, les choses se mettent en action dans la vie de la personne, il y a des changements. La présence de Dieu est manifeste. Bien, pour parler de l'origine de l'univers, c'est clair que le chrétien va s'appuyer sur deux choses. Bah, d'une part, sur les Écritures, puisqu'il considère les Écritures comme un témoignage qui parle, qui explique comment Dieu se révèle à l'homme. Mais aussi, et plus particulièrement sur le livre de la Genèse, qui est le livre des commencements. Le deuxième point sur lequel le chrétien s'appuie aussi, mais c'est également sur la science. Science et foi ne sont pas deux choses incompatibles. On s'intéresse à ce que nous livrent les physiciens, les astrophysiciens, les géologues, les ethnologues, les philologues, voire même les naturalistes, car leurs découvertes, leurs études ont démontré à plusieurs reprises, ont confirmé à plusieurs reprises combien nous pouvons faire confiance à l'écriture. Ce que nous ne partageons pas, c'est ça qu'il faut souligner. Ce sont certaines hypothèses qui dépassent leur champ d'activité. Évidemment que la science a des limites. Sur deux points, notamment deux points auxquels moi j'attache beaucoup d'importance. La première, c'est qu'elle nous emmène, elle nous entraîne dans ses explications. En fait, on nage dans des suppositions. D'ailleurs, son langage commence souvent. On peut supposer que. Donc, la science nous emmène constamment dans des suppositions. Ces théories sont falsifiables, c'est-à-dire qu'elles sont interchangeables. Il y a quelques temps,
quelques années, on disait que l'univers avait toujours existé, et aujourd'hui, les lois physiques nous démontrent que le contraire. Donc, l'hypothèse qu'on en avait adoptée il y a X années n'est plus valable aujourd'hui. Donc, cette supposition, ces hypothèses nous montrent déjà, premièrement, les limites de la science. Maintenant, un autre point sur lequel... lequel moi je m'attarde, c'est cette notion de temps. Comptabiliser l'histoire de le processus d'évolution sur des millions et des milliards d'années, à cette échelle, plus rien n'est maîtrisable. Est-ce que le temps suffit pour expliquer tout simplement l'apparition de la matière, l'existence de l'univers, l'existence de toutes ces complexités et de tout ce processus évolutif aussi complexe? Est-ce que la notion de temps à elle toute seule peut expliquer l'apparition de la matière et son évolution? Je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. La fonction principale des sciences, c'est quoi au fond? C'est l'observation de la nature et des phénomènes naturels. Son but, c'est de trouver les principes ou les lois qui régissent le fonctionnement de cette nature. Et ces lois qui peuvent être prouvées. La science ne peut expliquer l'origine de la vie, car ce n'est pas son champ d'activité. Je pense que les découvertes, cependant, contribuent à améliorer la vie sur Terre, certes. Mais quant à l'origine de la vie, ce n'est pas son champ d'activité. Est-ce que la théorie de l'évolution est un prétexte valable pour ne pas croire en un Dieu créateur? Non, je dirais que non. Pour la simple raison qu'il existe suffisamment de savants et de scientifiques croyants et de renommée, et pas des moindres. Je pense notamment à Francis Collins, qui fut responsable de cette équipe de recherche sur le génome humain, qui lui croit en un Dieu créateur, sans forcément remettre en cause toutes les découvertes de Charles Darwin sur l'évolution. Donc voilà, il y a des savants, des scientifiques croyants. Certains croient en partie à l'évolution, d'autres moins, d'autres pas du tout. Mais c'est pas un prétexte valable pour ne pas croire en Dieu. Je pourrais même citer ici le physicien Alfred Kessler, prix Nobel de la paix, affirmant ainsi que même un atome est si compliqué, si riche d'intelligence que l'univers matérialisme n'a pas de sens. Je suis assez d'accord effectivement avec cette idée que la Bible c'est un langage de révélation. Non, c'est pas un langage scientifique, c'est pas un langage psychologique, c'est pas un langage médical. Ce sont des témoignages, c'est un ensemble de témoignages d'hommes et de femmes pour qui Dieu est venu se révéler, et l'Écriture reste aujourd'hui pour nous un héritage, afin qu'au travers de ces expériences, nous pouvons à notre tour nous laisser toucher et laisser Dieu se révéler à nous dans notre vie personnelle. Voilà, c'est ça aussi la Bible. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au travers de ce langage de révélation, il y a des faits. Il y a des faits qui se rapprochent de la science, notamment le récit du Genèse chapitre 1 qui nous parle des étapes par lesquelles la création s'est faite et les formes de vie, mais ce récit est totalement en accord avec les hypothèses scientifiques, avec ce que la science nous avance aujourd'hui. Les étapes sont les mêmes, les formes de vie sont là, elles sont présentes, sont les mêmes. Mais, bien sûr, ce qui nous différencie, c'est certainement la notion de temps. Là, je pense que la science, tous les scientifiques eux-mêmes ne sont pas de toute façon en accord, donc un jour viendra peut-être. Mais là n'est pas le principal. La Bible n'est pas là pour essayer de nous prouver ou nous convaincre de cette notion de temps. Elle est là pour nous dire, oui, effectivement, c'est Dieu qui a créé et c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Maintenant, le comment et le temps exact n'est pas là son propos. Et si on imagine que tout cet écrit, ce récit de la Genèse, est écrit 12 siècles avant Jésus-Christ, on ne peut pas appeler ça de la révélation, je n'ai pas de mot, peut-être un autre mot plus adéquat, mais voilà, il n'y avait pas les avancées scientifiques d'aujourd'hui. Moïse n'était pas un scientifique. Donc la Bible a aussi une part comme ça, un mystère qui est là,
et qui nous pousse à aller plus loin dans notre réflexion, à aller plus loin dans notre recherche, notre quête spirituelle, c'est sûr. Alors, d'un point de vue personnel, non, la science et la Bible ne sont pas contradictoires. Pour moi, elles ne se contredisent pas. Elle peut arriver à se contredire à partir du moment où l'un ou l'autre sort de son champ d'action. Si la Bible commence à essayer de donner des preuves scientifiques ou médicales ou psychologiques, ou alors, paradoxalement, à contrario, si la science commence à dépasser son champ d'observation et commence à rentrer dans ces notions de temps qui dépassent réellement les capacités de vérifier ces choses-là, alors peut-être à certains moments il peut y avoir des contradictions. Mais voilà, je ne vois pas de contradiction entre les avancées scientifiques et la parole de Dieu. Maintenant, ceci se trouve plutôt avec les naturalistes athées, qui eux s'appuient sur l'évolutionnisme. Mais voilà, tous les évolutionnistes et tous les scientifiques ne sont pas incroyants. Donc la science et la foi peuvent faire bon ménage tout à fait à partir du moment où chacun respecte son cadre et son champ d'action. Ça pour moi, enfin en tout cas c'est un avis personnel et ça ne me pose aucun souci de ce niveau-là, en tout cas. Avant de conclure, de terminer, j'aimerais vous lire un passage de la Bible dans Romains chapitre 1, verset 20. Voici ce qu'il dit. « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Eh bien, voilà, dans cette première partie, je voulais juste faire passer ce message. Au fond, pour nous chrétiens, la foi, c'est quoi ? C'est pas vouloir prouver que Dieu existe de manière scientifique. D'ailleurs, Dieu ne cherche pas à prouver son existence, il l'affirme. Et donc, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas de savoir comment Dieu a fait les choses, mais c'est d'affirmer que c'est bien lui qui a créé les choses et que c'est en lui que nous mettons notre foi et notre confiance. Voilà. À bientôt.